Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'ai tenté quelque chose avec mes cheveux. Voilà, j'arrivais pas à faire grand chose avec ce matin et puis je suis partie sur ça. Je suis pas sûre que ce soit très joli, mais peu importe. On n'est pas là pour parler cheveux. On va commencer par les cadeaux que Quentin m'a offert. Et cette année, j'avais très envie de plein de petites choses. Donc j'ai été très gâtée plutôt qu'un très gros cadeau. Le premier cadeau qu'il m'a offert, c'est quelque chose qui me tente depuis très longtemps et puis je savais pas vers quelle marque me tourner, vers quel e-shop, etc. Et je vous avais posé la question en story sur Instagram et j'ai reçu pas mal de réponses qui m'ont amené vers ce modèle. Donc c'est un masque, un masque pour le visage avec des LED qui vient traiter des problèmes bien spécifiques au niveau de la peau avec différentes LED de différentes couleurs. Alors les LED, donc vraiment des petites lumières colorées pour le traitement de la peau, c'est en vogue en ce moment, ça se fait dans pas mal d'instituts, ça coûte très cher. Et vous pouvez également voilà, opter pour des appareils de ce style là pour faire ça à la maison. Donc ce modèle, il l'a eu sur le site de YesStyle, qui est un site asiatique, je ne sais pas exactement de quel pays ça provient, je ne sais pas si c'est coréen, chinois ou japonais, je ne me souviens plus. Je suis allée fermer la porte parce que Quentin est en télétravail aujourd'hui et on l'entendait parler de loin. Je ne sais pas si je pourrais vous trouver un lien direct vers ce masque parce qu'il est épuisé et puis quand Quentin l'a acheté, c'était vraiment au moment d'une offre, le prix était très intéressant. 75 € de mémoire alors qu'il coûtait beaucoup plus cher à la base et la fiche produit en fait n'existe même plus, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est le même qu'ici, c'est le même partout, c'est @leblogdeNeroli, je vous mets ça sur l'écran. Je suis très active en story, un petit peu moins en post, mais en tout cas en story je poste vraiment tous les jours ou quasiment sauf quand je travaille. Et j'essaierai de vous remettre le lien quand il sera disponible parce que j'ai pas retrouvé de... Voilà, j'ai pas retrouvé la fiche produit pour le moment. Donc comment ça se présente, c'est un masque comme ça avec comme des branches de lunettes, donc ça fait très peur quand vous le portez, hein, on dirait vraiment un robot, et à l'intérieur vous avez plein de petites LED qui viennent donc couvrir l'intégralité du visage. Ce qui est bien fait, c'est que c'est vendu avec une petite paire de lunettes de protection, vous savez les mêmes que celles qu'on porte dans les solariums, là, les trucs d'UV, qui est réglable à l'arrière de la tête, donc voilà, comme ça vous vous abîmez pas les yeux, c'est une bonne chose. Et le seul défaut que je lui trouve, mais c'est un tout petit défaut, ça fonctionne avec un câble USB qui se branche ici, qui est bien sûr fourni avec et qui est très long. Pourquoi il est très long? Parce que le masque ne fonctionne pas, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc il faut impérativement être branché soit sur secteur, soit avec une batterie externe si vous en avez une, parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour fonctionner. Le cycle dure 15 minutes de mémoire et vous avez donc trois couleurs de LED. La LED aux couleurs rouges pour le côté anti-âge et élasticité de la peau. La LED orange qui est celle que j'utilise en ce moment pour l'éclat et la vitalité de la peau. Et la LED de couleur bleue pour... un effet sur les pores et un effet un petit peu apaisant pour les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire? Rien. C'est en tout cas très facile à utiliser. C'est complètement... alors j'allais dire inoffensif, c'est pas le bon terme, mais on ne sent rien en fait. Ça chauffe pas, ça brûle pas, ça pique pas. Il faut juste rester allongé une quinzaine de minutes. Donc moi je me mets en fait à un podcast ou à un livre audio dans les oreilles pour, voilà, pour écouter quelque chose au moment où je fais ça, pour pas être complètement inactive. Et j'ai pas encore d'effet, enfin je vois pas encore de résultat, ça fait deux fois que je m'en sers, donc voilà, c'est beaucoup trop tôt pour vous en parler, mais je suis très contente de pouvoir enfin franchir le pas du traitement par LED à la maison, et dès que je vois des résultats, si j'en vois, j'espère, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je consulte ma petite liste pour pas faire d'erreur. Ensuite, j'avais très envie de nouveaux stylos, parce que j'ai plein de stylos que j'achète, même que j'achète pas forcément des stylos publicitaires, etc. Et j'avais très envie d'avoir un joli stylo, et puis du coup j'en ai reçu deux, donc je suis très contente. Ce sont des stylos de la marque Carandage, qui est une marque de... j'allais dire de papeterie, mais je crois qu'ils font principalement des stylos, en tout cas des outils pour l'écriture. C'est une marque suisse, qui est basée d'ailleurs à Genève, et j'ai reçu deux très beaux modèles. Tout d'abord l'édition limitée. C'est dans des jolies boîtes en métal, je sais pas ce que je vais faire des boîtes, je suis pas sûre de les garder parce que je vais pas les remettre dedans, mais très jolie. Tout d'abord l'édition limitée, donc avec un corps un petit peu vert d'eau, bleu turquoise, la tache un peu or vieilli et puis le petit bouton pressoir rose, je trouve vraiment très mignon. Et ce sont des stylos avec lesquels j'aime beaucoup écrire, donc je suis très contente d'en avoir deux maintenant. Et l'autre c'est une édition limitée entre Carandash et le designer Paul Smith. Et c'est une version toute colorée. Donc clairement ce sont pas les stylos que je vais emmener au travail parce que j'ai trop peur de les perdre. Parce qu'au travail, comme toute infirmière qui se respecte, je perds environ 2 stylos par semaine. Donc je vais les laisser à la maison, mais je les trouve vraiment beaux et je suis très contente d'avoir ces deux stylos dans ma collection.
Ensuite, Quentin m'a offert deux petits objets d'une marque qui s'appelle Born, qui est une marque qui fabrique en Turquie et qui propose des éléments de vaisselle ou de décoration à base de... Je sais pas exactement ce que c'est, du métal, mais je crois que c'est assez bien écrit sur le site. Il faut que je les nettoie, je les ai pas encore utilisés parce qu'ils sont pleins de colle, il y avait plein d'étiquettes collées dessus. Je trouve l'esthétisme vraiment vraiment beau, il y a des assiettes, des plats, des bols, des tasses. Et donc j'ai reçu une petite coupelle, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, un porte-savon. Porte-savon c'est peut-être pas idéal parce qu'il n'y a pas de trou au fond. Mais pour mettre vos bijoux ou quoi, je trouve ça très joli. Et j'ai choisi du coup un design un peu marbré, avec un effet un peu de coulure que je trouve très sympa. C'est assez lourd et je suis très très contente des deux articles qu'il m'a offert. Et l'autre c'est cette petite tasse donc qui est en émail. Voilà, c'est ça que je cherche comme mot depuis tout à l'heure. Je pense que c'est de l'émail. C'est résistant du coup, ça garde correctement la chaleur par rapport à une tasse en porcelaine. Bleu marine à l'intérieur avec un petit tour... vert jaune moutarde et puis l'extérieur rose. Alors c'est plein de petites irrégularités mais c'est bien précisé sur le site, chaque pièce est unique, c'est ce qui fait un peu le charme de la marque et je suis très contente de ces deux petites pièces. Donc voilà pour les cadeaux que Quentin m'a offert à Noël, je suis très très contente de tout ça. Je vais continuer avec le cadeau que mes parents m'ont offert. Alors ils m'ont offert un portefeuille de la marque Louis Vuitton, je crois que c'est... Je ne voudrais pas dire bêtises, mais je crois que c'est le premier article que je possède maintenant de cette marque. Alors j'aime pas tout dans la marque Louis Vuitton parce que, je trouve que c'est dur à dire en plus, Louis Vuitton. J'aime pas tout parce que c'est très marqué, le monogramme, tout ça c'est très voyant, très clinquant. Il y a beaucoup beaucoup de copies qui circulent aussi, donc c'est pas une marque que j'aime beaucoup pour la maroquinerie en termes de sac à main, etc. En revanche pour les accessoires je trouve que c'est très mignon, sauf quelques petites éditions limitées que je trouve un peu trop clinquante, mais sinon ils ont de voilà, très belles pièces un peu plus chic dans des plus petits formats. Bref, tout ça pour dire que je me sens pas prête à avoir un sac Louis Vuitton. D'ailleurs je pense pas que... Il y a un modèle à la rigueur qui me fait de l'œil, mais je suis pas certaine de craquer. Bref, je leur ai demandé du coup un portefeuille que j'avais mis sur ma wishlist. Je vous avais fait un article de blog sur ce que je souhaitais pour Noël, je vous mets ça sous la vidéo. J'aime bien maintenant donner en fait des idées aux personnes qui souhaitent m'offrir des cadeaux parce que bah, comme ça je suis sûre de recevoir des choses qui me plaisent. Eux sont contents parce que c'est moins compliqué de fouiller et voilà, tout le monde est content et c'est très bien comme ça. Donc mes parents m'avaient demandé ce que je voulais et j'ai donc opté pour ce portefeuille qui je crois bien s'appelle Emily, c'est le nom du modèle. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que voilà, sur une pièce de cette taille-là, je trouve que ça reste encore assez discret, ce monogramme qui est quand même bien, bien reconnaissable. Et il a un intérieur rose poudré, voilà, moi j'ai une passion pour le rose, hein. Je crois que vous l'avez compris, vraiment ce rose-là, c'est une couleur que j'adore. Le rose très très vif, c'est moi mon truc, mais ce petit rose poudré comme ça, j'adore. Donc il existait plusieurs modèles, celui-ci c'est l'un des moins chers, ça reste très coûteux, on est sur une marque de maroquinerie de luxe, mais je me voyais pas avoir un modèle à 500-600 euros parce que... Me connaissant, je l'aurais jamais porté de peur de l'abîmer. Donc ce modèle coûte un peu moins de 400 euros de mémoire. C'est un cadeau, donc je me souviens pas très bien, mais voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire monogrammer avec vos initiales. J'ai beaucoup hésité. Et puis en fait, si un jour j'en veux plus, si je veux le donner à Inès quand elle sera plus grande, parce que ça fait vraiment partie des pièces qu'on peut transmettre voilà, à ses enfants, bah, c'est vraiment dommage qu'il y ait mes initiales à l'intérieur, donc je l'ai pas fait. Et j'ai opté pour ce modèle à rabat. Il y avait un modèle à zip aussi. J'avais peur qu'il s'abîme dans le temps, parce que voilà, le zip au bout d'un moment fatigue un petit peu. Donc très bien fait, vous avez beaucoup de place, une petite pochette ici, une pochette là, le zip pour les pièces et puis des emplacements pour les cartes ici. En termes de format, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'utilise le plus et voilà, j'ai pas encore mis en service parce que je voulais vous montrer dans la vidéo, mais j'en suis très très contente et c'est donc bien sûr livré dans son petit dust bag, dans sa jolie boîte, c'est très joli sous le sapin aussi à Noël. Voilà, un très très beau cadeau que je suis contente d'avoir maintenant dans ma collection. Ensuite, les cadeaux de ma belle-maman et de mon beau-père. Ils ont été très 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 généreux avec nous. Tout d'abord, Quentin et moi, on a reçu un bon pour un massage en duo dans notre institut favori à Annecy qui s'appelle La Superbe. Donc ça se trouve rue... Je confonds toujours les deux rues, mais je crois que c'est rue Vaugelas à Annecy. Je vous mettrai la référence de l'institut sous la vidéo. Vous pouvez tout faire là-bas. Massage, soins de visage, soins du corps, gommage... pédicure, manucure, épilation, tout est possible. Mais Quentin et moi, on est fan de leur massage. L'ambiance est vraiment parfaite pour nous. Les soins prodigués sont d'une très très grande qualité. Et j'y vais moi toute seule. Quentin, je lui offre souvent des soins là-bas quand c'est son anniversaire ou Noël ou autre. Et c'est la première fois du coup qu'on va pouvoir y aller tous les deux. Donc un massage en duo, je crois, d'une heure et quelques. Je ne retrouve pas le papier. Quentin a dû le ranger dans ses dossiers, je ne le retrouve pas.
Mais on va se faire chouchouter et ça sera top. J'ai vraiment, vraiment trop hâte. Si vous êtes sur Annecy et sa région, je vous conseille vivement de tester un soin à la Superbe parce que je pense que vous n'arriverez pas à aller ailleurs après ça. Ça aurait pu s'arrêter là parce que voilà, c'est un cadeau qui est très très généreux. Mais ma belle-maman m'a également offert une carte cadeau. Donc c'est voilà, c'était une petite carte cadeau virtuelle pour la marque Balzac Paris, qui est une boutique en ligne que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai envie d'acheter plus de choses parce que je trouve que leurs vêtements sont très beaux. J'ai pas beaucoup de pièces de chez eux, peut-être 2 ou 3, mais je trouve que la qualité est excellente. J'ai un sac à main de chez eux que j'aime beaucoup, le César en nude, et je suis très contente de la qualité. Donc je vais voir si j'attends les soldes, peut-être qu'ils sont déjà en vente privée, faut que je vois, mais il y avait pas mal de petites pièces qui me faisaient de l'œil, donc je pense que je vais en profiter avec cette carte cadeau. Et un dernier petit clin d'œil de ma belle-maman, c'est le livre L'ami impossible de Bruno de Stabenrath. Alors vous savez que je suis assez fascinée par tout ce qui est fait divers, etc. Et notamment l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès qui m'intrigue énormément. J'ai lu pas mal de choses à ce sujet-là. L'enquête dans le magazine Society que j'ai dévoré cet été. C'est une affaire à laquelle je m'intéresse beaucoup. Et Bruno de Stabenrath, c'est un ami d'enfance de Xavier Dupont-Ligonnès. Donc il est là et Bruno Stabenrath est ici. C'est un livre que j'avais beaucoup hésité à acheter, vous avez été nombreuses à me le conseiller, notamment par message privé sur Instagram. Je l'avais pas acheté parce que cet homme, Bruno Stabenrath, me paraît assez antipathique, je l'ai beaucoup vu dans les médias. Il a un côté un peu arriviste, je pense qu'il a assez soif de visibilité, de succès aussi. Donc j'avais pas acheté le livre et puis j'arrêtais pas de voir des revues du livre vraiment excellentes. Il a quand même été publié chez Gallimard, donc ça aussi pour moi c'est un gage de qualité. Et voilà, j'en étais au stade où je regrettais un peu de ne pas avoir acheté ce livre. Et puis bah, ma belle-mère me l'a offert, donc je suis très contente de pouvoir le lire. Et puis au moins je pourrais m'en faire un avis ferme et définitif, parce que pour le moment je suis encore un peu, suspicieuse, on va dire, au sujet de ce livre. Donc ça raconte la relation que Bruno de Stabenrath a eue avec Xavier Dupont-Ligonnès, et ça plante un peu le décor sur les atrocités qui se sont déroulées derrière, et voilà, il mène un peu son enquête sur tout ce qui s'est déroulé. Et voilà, c'est un beau pavé, hein, ça fait presque 600 pages, mais je suis contente de l'avoir pour enfin m'en faire un avis propre plutôt que tout ce que j'ai pu entendre à son sujet. Et puis vraiment l'a priori que j'avais au sujet de cette personne à la base. Ensuite, mon amie et collègue Françoise m'a offert une petite paire de gants juste trop mignonne. J'en ai vu beaucoup dans des boutiques à Annecy, alors je sais pas si c'est une seule créatrice ou créateur qui fait ça, ou s'il y a plusieurs marques qui se sont lancées sur le créneau. Ce sont devenus officiellement mes gants pour conduire ma voiture le matin quand il fait hyper hyper froid. Je sais pas, ils sont très agréables parce qu'on a une bonne dextérité avec, enfin je les trouve voilà, très agréables à porter, et donc voilà, ce sont devenus les gants de ma voiture, ils sont toujours dans ma portière. Donc voilà pour la petite paire. Et ensuite elle m'a offert une bouteille de vin qu'on a déjà bu, qui était excellente, et des petits, je vous en ai amené qu'un seul, mais des petites boîtes de la Comtesse du Barry, vous savez, des rillettes, il y avait un petit pâté de campagne et encore un autre qui est dans le frigo, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, je vous en ai amené qu'une seule, mais c'est une marque qu'on aime beaucoup avec Quentin. On va souvent dans cette boutique pour faire des cadeaux à d'autres personnes, et on aime aussi beaucoup quand on nous en offre, donc c'était un cadeau très sympa. De la part de mon amie et collègue Agathe, j'ai reçu des petites céramiques parfumées avec la senteur plume de soie de la marque Colline de Provence. Je connais pas la marque, mais ça sent tellement bon. J'ai mis un temps fou à la retrouver parce que Inès joue avec. C'est très puissant comme odeur et c'est une odeur toute douce, vraiment parfaite pour l'intérieur. Je pense qu'on peut mettre ça dans ses placards. Moi j'avais mis ça dans un coin de la pièce aussi pour parfumer dans le salon. Et c'est vraiment délicieux, c'est une belle attention. Elle nous avait aussi offert des petits biscuits de Noël qu'on a mangés dans leur intégralité. Et des petits jeux à gratter. J'avais gagné d'ailleurs 2 €, mais c'était très mignon comme petit cadeau. Et le dernier cadeau, c'est un cadeau de la part de ma meilleure amie Morgane, que je n'ai pas parce que c'est déjà parti au travail. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un kit de stylo 4 couleurs. Le 4 couleurs, c'est l'emblème de l'infirmière, vraiment. Typiquement c'est le stylo que je préfère emmener au travail plutôt que les carandages, parce que ça j'ai trop peur de les perdre. Donc là, 3 stylos 4 couleurs dans un petit étui, et c'est l'édition limitée un peu de Noël, donc ils sont dorés, c'est hyper bling bling, j'adore. J'essaierai de vous trouver une photo pour vous mettre ça là, mais trop mignon comme petit cadeau. Et ils ont aussi pourri gâté Inès, donc des attentions trop adorables. Voilà pour mes cadeaux, j'espère que j'ai rien oublié, peut-être des choses que je recevrai plus tard aussi, mais voilà, ça a plus de sens de vous faire la vidéo fin février après, donc autant la faire maintenant, et puis tant pis s'il y a d'autres choses qui arrivent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez eu un cadeau marquant à Noël, je serais curieuse de savoir ce que c'est, donc dites-moi ça dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.